C'est le résultat d'une enquête indépendante réalisée récemment par Afrobarometé avec l'appui du centre d'études et de recherche en géosciences politiques et prospectives, Sergep. Basé sur les rapports confiance des populations avec les administrations publiques, cette enquête révèle que les forces de police nationale, FPN, et la Gendarmerie nationale arrivent en tête des institutions les plus corrompues selon les Gabonais. Si dans notre article intitulé Afrobarometé, tous les agents de la présidence sont corrompus selon 70% des Gabonais. Nous évoquions le niveau de perception de la corruption au sein de la première institution du pays. Les forces de sécurité et de défense ne sont pas en reste de ce constat. Ainsi, selon Afrobaromètre, les deux principales institutions représentant ces forces sont perçues parmi les plus corrompues du pays. Ainsi. Les citoyens qui ont eu affaire avec la police au cours des douze derniers mois précédant l'enquête, 51% déclarent avoir versé un pot de vin pour obtenir l'assistance des policiers, et environ 35% affirment l'avoir fait afin d'éviter des ennuis au poste de contrôle, au cours des arrêts de contrôle d'identité ou lors d'une enquête. Un fait qui n'est pas une surprise pour de nombreux observateurs, surtout à cause de l'image que renvoient ces agents publics. Il faut dire que ces dernières années, l'opinion a pu constater une recrudescence de cas soit de bavures policières ou même des délits impliquant un ou plusieurs membres des forces de l'ordre contraignant la tutelle à prendre des sanctions à l'encontre des indélicats.